en question. អរគុណប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្រាប់ការហើយនឹងផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមសហវិញ្ញាដើម្បីបន្តការតាំងសំណួរដីដោលចំពោះសាក់សីសូមអញ្ជើញ Merci Monsieur le Président et bon après-midi à tout le monde. Monsieur le témoin, je vais vous interroger durant cet après-midi concernant les événements qui se sont passés entre 1975 et 1978. Ah. I apologize. I was wondering if there's any news in relation to additional statements, either DC camp statements or statements coming from case 3 and 4. I was hoping that maybe during the lunch break the prosecution had time to investigate this, and I was wondering if there's any news on this. Monsieur le Président, nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé plus de réponses que tout à l'heure. Nous n'avons au dossier que deux procès-verbaux d'audition devant les juges d'instruction. Il n'y a rien dans les dossiers 3 et 4 qui n'auraient pas été communiqués aux parties et nous n'avons pas non plus trace d'interview donnée à DCCAM, ni sur le site, ni sur nos, dans nos documents ou au dossier. Donc je me propose, Monsieur le Président, de poursuivre sur la base des procès-verbaux devant les juge d'instruction. Je m'en tais comme notre hâte pis d'être ban thua là nous chung pour mok sạc cho kram sư mkete pano. Donc je disais, Monsieur le témoin, je vais vous interroger maintenant. Tout d'abord, une précision. Vous avez mentionné que vous n'aviez pas de surnom ou de nom révolutionnaire dans votre procès-verbal d'audition E3-55-21. Mais vous occupiez une fonction officielle, vous avez été chef de commune à Sri-Ronan. Comment est-ce que les gens ou les cadres à l'époque vous appelaient-ils lorsque vous travailliez dans la commune de Nieng Nyam et dans la commune de Sri-Ronan? Est-ce que c'était un nom révolutionnaire ou qu'est-ce que cela voulait dire? Est-ce qu'il est arrivé qu'on vous appelle Ta Neo? N-O-U-V ou bien N-O-V? Monsieur le Président, je voudrais remettre trois documents aux témoins. D'abord, c'est les deux procès-verbaux devant les juges d'instruction parce qu'on en aura besoin par la suite. Et également un troisième document qui est le document E3-24-52. S'agissant des procès-verbaux, il s'agit des documents E3-5521 et E3-1-9. Alors, la première question que je vais poser, Monsieur le témoin, c'est sur ce document E3-24-52.
5.2, qui est une mauvaise copie, je l'admets, d'un document manuscrit. Et je vais lire les IRN pertinents. En Khmer, c'est 00270709-98. En anglais, 00843036. Et en français, 00872836. Il s'agit du bas de la page en français. Il s'agit d'un rapport partiel qui est daté du 8 octobre 1977, qui a été établi à Srirenong et qui est signé par un certain Nov, N-O-V. Ce rapport est relatif à une personne du peuple nouveau qui s'appelait Sen Keo, venant du district 109, qui a déserté son unité de Srirenong et qui s'est rendu à Leibo pendant 2 jours. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez me dire si il s'agit de votre signature? On parle d'une personne qui a signé qui s'appelait Neo. Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y avait une autre personne qui travaillait à la commune de Srirenong, habilitée à faire des rapports qui pouvaient s'appeler Nov, N-O-V? Bon, j'en viens à autre chose. Vous avez dit à dans votre procès verbal d'audition E3-5521, je pense que votre avocat va vous aider à trouver, à la réponse 21, vous avez dit ceci. On m'a ordonné d'être responsable du secteur de la collecte des vivres. À l'époque, j'allais quémander de la nourriture, du riz décortiqué, du poisson, de la viande et des légumes dans les villages pour les envoyer sur le front avant. À part tout cela, j'étais chargé d'archiver et de tenir les registres dans le bureau de la commune de Nyangyang. Fin de citation. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consistaient les archives et les registres du bureau de la commune de Nyangyang? Quels documents étaient conservés dans ces archives et ces registres? D'accord, ça c'est pour l'archivage. Et concernant les registres, quels registres teniez-vous et pouvez-vous nous en donner des détails?
Est-ce que les rapports, les correspondances entre la commune de Mingyang et le district étaient conservés dans les archives? Et les documents qui venaient de l'échelon supérieur, est-ce que vous les conserviez dans les archives? Tout à l'heure, vous avez dit que des listes avaient été dressées, qu'il y avait une liste pour le 17 avril et une liste pour le peuple de base. Est-ce que ces listes étaient conservées par vous-même dans les archives ou bien par le chef de la commune? Et qui était chargé au sein de la commune d'établir ces listes? Était-ce des gens travaillant à la commune, des miliciens ou d'autres personnes? Est-ce que vous êtes resté en charge de ces archives et de ces registres économiques jusqu'à votre départ de la commune de Nengyang en 1977? Est-ce que vous pourriez nous dire exactement à quelle période, en 1977, vous avez rejoint la commune de Srey Ronong? Pour en revenir à la commune de Nengyang, quand vous étiez là-bas dans le bureau, alors vous avez dit, c'est le procès verbal d'audition E3/55-21. À la réponse 22, vous avez dit que c'était Bun Si qui était le secrétaire de la commune de Nengyang. Est-ce que vous pourriez nous dire si ce Bun Si est resté longtemps chef de commune et si quelqu'un d'autre a pris sa place ensuite? Bun Si nơi chia mì khom ra hốt cha nam mô quan bom bùn rồi chết sập bom pel rau ăn cá bánh chún rau khang khát và phung chan rồi bị Bun Si miền nhẹ chìm nuốt trong tàu sài nôn ruồi hái cứ lột tà xuân. Est-ce que vous connaissez un certain Min,
M-E-A-N, au sein de la commune des Mingyang? Et si oui, quelle fonction occupait-il? Très bien. Dans le même procès verbal d'audition, à la réponse 29, et vous nous avez dit ça tout à l'heure également, vous avez dit au début, on n'a pas rédigé de biographie d'aucune sorte. Et vous parlez donc des personnes du 17 avril. Et ensuite, vous dites, par la suite, il est possible qu'on l'ait fait sans doute. Alors, je voudrais savoir, parce que la réponse est un petit peu ambiguë, est-ce que les biographies des gens du 17 avril, donc des évacués de Phnom Penh, ont-elles été établies ou non dans la commune de Ningyang? Justement, pour clarifier les choses à ce niveau-là, ceux qui avaient répondu à l'annonce positivement en disant qu'ils étaient d'anciens militaires, d'anciens enseignants ou des fonctionnaires sous le régime de Lon Nol, que leur est-il arrivé quand ils étaient dans la commune de Ningyang en 1975? Est-ce qu'on leur a dit au moment de cette annonce qu'ils pourraient récupérer leur poste? Est-ce qu'on leur a dit qu'ils devraient se rendre à un autre endroit pour offrir leur service au nouveau régime? Pour ceux qui n'avaient pas répondu à l'annonce et qui avaient donc caché qu'ils étaient d'anciens soldats, d'anciens fonctionnaires, d'anciens enseignants, que leur arrivait-il lorsqu'on découvrait qu'ils avaient menti et qu'en fait c'était d'anciens fonctionnaires du régime de Lon Nol? Est-ce que vous savez ce qui se passait quand on découvrait qu'il y avait parmi les 17 avril de hauts gradés militaires ou de hauts fonctionnaires? Est-ce que ces personnes-là aussi ont été encouragées à dire
qu'ils avaient occupé ces postes sous le régime de l'honneur. ដោយគេបានជំរាបហើយអ្នកដែលគេជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្តីដែលគ្មានសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ឃើញនៅជាហោហែយ៉ាងនេះអត់មានធ្វើអីទេលុះត្រាតែអ្នកដែលជំទាស់នឹងបដិវត្តន៍អានឹងបានគេឲ្យទៅរៀនសូត្រដូចជំរាបផងដែរ Monsieur le Président, je voudrais faire remettre au moins temporairement au témoin un procès-verbal d'audition du témoin 2 TCW 822 TCW 822. C'est le procès-verbal d'audition E319.1.32. Je vais lui remettre et vous poser des questions à ce propos. Merci. Alors, monsieur le témoin, je voudrais vous demander de regarder la deuxième page de ce document et de ne pas prononcer le nom de la personne que vous voyez. Et pourriez-vous nous dire à la Chambre si vous avez connu cette personne qui travaillait au bureau du district de Tramkak? Et en particulier, je crois, au bureau du commerce de Tramkak. Ce n'est pas très grave, je vais vous faire réagir à ce que cette personne a dit à la question 113. Si vous tournez les pages jusqu'à la question 113. Question. Que savez-vous du massacre des soldats de l'Onol et de leurs familles dans cette province de Takeo? Réponse. Les Khmers Rouges ont alors proclamé leur victoire. On a conquis Phnom Penh. Ensuite, ils ont expulsé les habitants de Phnom Penh et les ont déportés dans la pagode Champa Leuk, qui se trouvait à l'ouest, à 3 km de Ang Ta Som, district de Tramkak. Ils ont demandé aux officiers gradés de l'ancien régime de s'inscrire sur une liste pendant 7 jours. Une fois que ceux-là se sont manifestés, ils les ont fait disparaître sans laisser de traces et ont ainsi décimé des centaines et des milliers d'officiers gradés jusqu'à extinction. Fin de citation. Lorsque vous dites que dans votre commune, on a demandé aux militaires, aux enseignants et aux fonctionnaires de se signaler. Est-ce qu'on leur a demandé de s'inscrire sur une liste pendant un certain temps? Vous n'avez donc pas entendu parler des événements qui se sont passés à la pagode de Champa Leuk, près d'Ang Ta Som, après l'évacuation de Phnom Penh.
Tout à l'heure, vous avez dit que ceux qui s'opposaient au régime disparaissaient. Qu'entendez-vous par s'opposer au régime? Est-ce que vous pourriez donner des précisions, des exemples d'opposition au régime? Y en avait-il beaucoup parmi les gens du 17 avril? Et parmi les gens du peuple de base, est-ce que les gens étaient contents de travailler dans des coopératives, de ne plus avoir de propriété privée et de manger collectivement? Est-ce qu'il y en avait qui disaient ouvertement qu'ils s'opposaient au régime? Je vais revenir avec des exemples plus concrets tout à l'heure, notamment des rapports concernant des personnes qui s'étaient plaintes ou qui s'étaient opposées. Mais avant cela, je voudrais vous montrer un autre extrait d'un procès-verbal d'audition d'une personne qui a été entendue par les juges d'instruction, et c'est le document E319-12.3.2. Je voudrais vous remettre temporairement ce document et vous poser les mêmes questions qu'avec le document précédent, c'est-à-dire savoir si vous connaissez cette personne. Je vous demande de regarder le nom de la personne qui a été interrogée par les juges d'instruction, de ne pas dire son nom, mais de me dire si vous connaissez cette personne qui aurait joué un rôle dans le district de Tram Kak et dans une de ses communes. Est-ce que vous êtes certain, monsieur le témoin? C'était une personne relativement connue dans le district. Et donc cela m'étonne un petit peu. Est-ce que vous confirmez que vous ne la connaissez pas?
Est-ce que cette personne a été chef de commune durant le régime oui ou non? Très bien, je vais vous lire questions et réponses 254 et 255 de ce document. Et je vais citer ces passages en anglais, parce qu'il n'y a pas encore de traduction française. Question 254. When the commune chiefs began to collect biographies from the people and found someone who had been involved in the Lon-Nol regime, what happened to those who were associated with the Lon-Nol regime? Answer 254. Immediately when the Khmer Rouge regime began, they commenced making biographies of people who used to be teachers, policemen, or civil servants in the Lon-Nol regime. Then they sent all of those biographies to the upper echelon. That was an order from the upper echelon. Question 255. To your knowledge, what happened to those who had been involved in the Lon-Nol regime? Answer. After the biographies were sent to the upper echelon, they provided the names of those people to me. Then I ordered the arrests of those people and sent them to the upper echelon. Some were able to return, some could not. The arrested ones were mostly soldiers and policemen. Not many teachers were sent there. End of quote. Alors, ici on voit que ce haut cadre du district de Tram Kak est chef de commune. A dit que les biographies étaient établies par la commune concernant les enseignants, les policiers ou les fonctionnaires de Lon-Nol et qu'elles étaient transmises à l'échelon supérieur. Et après cela, l'échelon supérieur demandait au chef de commune d'arrêter les gens impliqués dans le régime de Lon-Nol et de leur envoyer. Est-ce que cette procédure pour rafraîchir la mémoire quant à ce qui s'est passé dans votre commune de Ningyang après l'évacuation d'avril 75 et donc après l'arrivée de ces personnes dans le district de Tram Kak? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous avez appris ou entendu qu'effectivement les biographies étaient dressées et qu'une fois que ces biographies étaient analysées au niveau supérieur, certaines de ces personnes dont les biographies avaient été faites étaient arrêtées? Yep, some new one.
Oui, je vais essayer de la simplifier. Est-ce que vous avez appris ou entendu, lorsque vous travaillez au bureau de la commune de Nyingnyang, que des biographies d'anciens policiers, enseignants, fonctionnaires de l'ONOL étaient établis, transmises au niveau du district, et puis que sur la base des instructions du district, ces personnes étaient arrêtées par la commune. Bien, je vais vous poser des questions maintenant qui concernent à la fois la commune de Nyingnyang que celle de Sri Ronong, Dang Ta Som et même l'ensemble des autres communes. Ces questions vont porter sur l'année 1977, deux ans après que les évacués de Phnom Penh soient arrivés dans le district de Tram Kak. Je vais d'abord lire un extrait de votre procès-verbal 2-3-55-21 aux réponses 57 à 60. Réponse 57, je passe le début. Je cite. Durant les réunions, on a parlé des purges qui devaient être faites à l'égard des ennemis internes et des ennemis externes qui avaient de la sympathie pour les partisans de l'ONOL. Et les gens qui se trouvaient dans les rangs du parti et qui avaient des mauvaises tendances devait également être l'objet de purges. Même dans ma position de chef de la commune, j'avais peur parce que j'avais peur de m'écarter de la voie du parti. Les ennemis qui étaient à l'intérieur des rangs, c'était les cadres mêmes. Quant aux ennemis externes, c'était les habitants ordinaires. Question 58. En quelle année ont eu lieu les réunions qui ont parlé des purges? Réponse. Et elles ont eu lieu au cours de l'année 77 ou de l'année 78. Même quand j'étais dans la commune de Sri Ronang, il y a eu ce genre de réunion également. Question 60. Est-ce que la décision d'arrêter des gens était issue du district ou de la région? Et vous avez répondu, c'était sans doute à l'échelon de la région et de la zone. Fin de citation. Et pour être complet, je vais lire l'extrait de l'autre procès-verbal d'audition que vous avez donné au juge d'instruction, qui est le document E319.1.17. Question 16 à 18. Question 16. Saviez-vous s'il y avait des réunions au cours desquelles il était question des purges des ennemis? Réponse. Oui, il y en était question à la réunion au niveau du district ou de la région. Réponse 17. J'ai successivement assisté à des réunions au cours desquelles il était fait mention que les cadres fautifs ou réticents à suivre la ligne du parti devaient faire l'objet des purges. Qui a parlé des purges et qui a ordonné les purges? Réponse. L'ordre est venu de la zone et transmis aux régions et aux districts. Fin de citation. Monsieur le témoin, en tant que cadre de la commune de Nyingnyang, puis le chef de la commune de Sri Ronang, est-ce que vous avez régulièrement assisté à des réunions au niveau du district de Tram Kak? Et si oui, combien de fois? Par an ou par mois? Merci
ប៉ុន្តែដល់ដល់នៅឃុំសែនងមានការចូលរួមប្រជុំជាមួយគណៈស្រុកគណៈតំបន់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយខែម្ដងដែរនេះការពិតគឺបានប្រជុំឯការសម្រេចអ្វីផ្សេងៗក្នុងពិធីបោះសម្អាតកំតិចនេះខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ខាងឃុំក៏មានតួនាទីបោះសម្អាតទេគឺបានណែនាំអញ្ចឹងគឺមានតែតំបន់និងភូមិភាគបាទដែលអាចចាប់ចងនឹងកំតិច Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre à combien de réunions du district 105 ou du secteur 13 ont été discutées la question des purges des ennemis, en ce compris les purges des personnes qui avaient des liens avec le régime de l'ONOL? Est-ce que c'était fréquent? បាទអរគុណក្នុងការប្រជុំនេះខ្ញុំឡើងឃុំឆ្នាំ1978កាលនោះមន្ទីរខ្ញុំមិនបានចូលរួមដោយជំរាបខាងដើមហើយការប្រជុំនេះគេបាននិយាយសំខាន់ខ្ញុំឡើងទៅគឺការងារធ្វើស្រែឲ្យបាន3តោនក្នុងមួយហិកតា សំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើធ្វើស្រែឲ្យបាន3តោនក្នុងមួយតាកម្មាវិបាលដែលដឹកនាំធ្វើមិនបានគឺឲ្យចុះចេញពីដំណែងនេះមានប៉ុណ្ណឹង D'accord, mais vous avez dit aussi que durant les réunions, on avait parlé des purges à l'égard des ennemis internes et des ennemis externes qui avaient de la sympathie pour les partisans de l'ONOL ou qui avaient de mauvaises tendances. Vous souvenez-vous de qui exactement, au niveau du district ou du secteur, a parlé des ennemis ou a parlé de ces purges? Vous pouvez donner les noms des chefs qui en ont parlé. ប្រធានតំបន់បានដែរឬទេប្រធានតំបន់កាលនោះមានឈ្មោះតាសោមប៉ុន្តែມັນដឹងស្អីសោមមិនគេហៅថាតាសោមហើយក្រោយមកមានឈ្មោះតាប្រាក់ប៉ុន្តែប្រាក់ហ្នឹង គេចាប់គាត់ទៅអញ្ចឹងអ្នកមកជំនួសជាខាងក្រោយក្នុងតំបន់មានឈ្មោះតារ៉ានតារ៉ានហ្នឹងក៏មិនដែលបានជួបបានស្គាល់ទេហើយអត់ដែលបានចូលរួមប្រជុំមួយគាត់ទេបាទ D'accord, mais vous avez dit avoir participé en deux occasions à l'Assemblée générale annuelle du secteur 13. C'est ce que vous avez dit, la réponse 1 de votre procès-verbal E319.1.17. À ce moment-là, pour ces assemblées générales, qui parmi ta somme, ta prac ou ta ron présidait cette réunion-là? Bon, je vais vous montrer un certain nombre de documents, tous en même temps, parce qu'au dossier se trouvent des documents qui proviennent de chaque commune ou presque du district de Tramkak, qui
qui ont trait à l'arrestation d'anciens militaires gradés ou de fonctionnaires du régime de l'ONU. Je voudrais vous poser des questions à propos de quatre de ces documents que j'ai sélectionnés et que je voudrais vous remettre et afficher également à l'écran avec l'autorisation de la Chambre. Il s'agit des documents suivants. E3-2-9-1-7 E3-2-4-3-2 et E3-2-4-5-0. Monsieur le Président, est-ce que je peux lui remettre et également l'autorisation d'afficher ce document progressivement à l'écran pendant que je vais les résumer? Alors, commençons par celui qui est au-dessus. E3-2048 à la page en Khmer 000-7-9-0-8-9 en anglais 00-2-7-6-5-6-2-6-3 en français c'est la page 2-0-0-6-1-1-6-5-9. Alors, c'est un rapport qui a été établi par Meun de la commune de Qingtong et qui a adressé le 30 avril 1977 à la direction de l'encadre du district de Tramka et qui dit ceci, je cite, à propos de la situation des ennemis qui se trouvent dans ma base, après avoir reçu les recommandations successives de l'encadre concernant la vigilance à l'encontre des ennemis et le nettoyage des soldats des ennemis qui étaient dégradés, on a surveillé, examiné et identifié les personnes ci-après. Fin de citation. Deuxième document, c'est le même, la même référence, mais une page différente. E3-2048. C'est deux pages plus loin en Khmer, 00-07-9-0-1. En anglais, 00-2-7-6-5-6-4. Et en français, page 4, à l'IRN 00-61-1-6-6-1. Il s'agit d'un rapport de la commune de Tarpem envoyé à la même période que le premier rapport, parce qu'ici il s'agit du 28 avril 1977, qui dit que la commune avait, je cite, après avoir reçu les recommandations du parti, examiné et nettoyé des ennemis qui étaient dégradés. Fin de citation. Le document suivant est le document E3-2-9-1-7, page en Khmer 000-7-9-0-9-0. Je crois qu'il y a une erreur, mais... En anglais, c'est 00-7-4-2-8-9-0. En français, 00-8-1-0-5-7-4. En tout cas, vous avez une seule page, je crois, devant les yeux, monsieur le témoin. Il s'agit d'un rapport de la commune de Popel qui dit
Ceci le 4 mai 1977, quelques jours après les deux autres rapports. Il dit, je cite, le nombre de familles de militaires décédées ou éliminées par l'ANCA se chiffre à 106 familles, soit 393 personnes. Ce rapport dit aussi que la commune essaye d'identifier parmi d'autres familles s'il s'agissait de militaires ou non. Quatrième et avant-dernier rapport, celui qui porte le numéro E3-2432, c'est une page unique, c'est une liste qui est datée du 18 avril, qui a été établie par la commune de Ningyang et qui identifie 11 anciens militaires gradés de l'ancien régime qui vivaient à Ningyang à l'époque. Et cette liste comprend deux commandants, c'est-à-dire majors en anglais, cinq lieutenants, en anglais on dit first lieutenant, et quatre sous-lieutenants, en anglais on appelle ça second lieutenant. Et enfin, dernier document, E3-2450, Khmer 00-2707-4-6, en anglais 00-32-2161, et en français 00-62-3747. Il s'agit là d'une lettre du chef de la commune de Ningyang, ou de son adjoint, qui s'appelle Men, M-E-A-N, qui est adressée au chef du centre de sécurité de Krangtachan, et qui identifie trois anciens officiers de l'armée de Lonol arrêtés dans cette commune, deux lieutenants, un sous-lieutenant. Et ces personnes ont été envoyées au centre de sécurité à la suite d'une décision de l'ANCAR. Le document dit ceci, je cite, concernant leur faute, il n'y a rien de grave à signaler. Ces gens-là ont été arrêtés parce qu'ils étaient des gens de haut rang. Fin de citation. Alors, j'ai quelques questions à ce propos. Est-ce que ces cinq extraits de quatre documents rafraîchissent votre mémoire quant au fait que les communes faisaient des rapports sur les arrestations et sur le nettoyage des militaires gradés de l'ONOL? Chị đam cả phương bình chi phơ cả tam đàn thực hiện chị đam người ta miên đấy cả này nâng cao sự mạnh nó bạn chạm phu nó không kiểm cứ miên nít việc không đặt tay là cái cục cống kiểm mình đại ban chùa luôn thế nhưng không chuyện toan không bộc bê không nhẹ nhàng đấy cứ kiểm tranh rồi cho hơi xong học quân. Est-ce que lors des réunions, ou lorsque vous étiez chef de votre commune de Sri Ronang en 1978, est-ce que lors des réunions, vous avez donné des instructions précises sur des rapports qui devaient être faits concernant ces anciens militaires gradés de l'ONOL? បាទអរគុណណាស់ក្នុងបញ្ហានេះចំពោះខ្ញុំដែលឡើងទៅឃុំស្រែរំនងគឺមេឃុំមុនគេបានបោះសម្អាតរួចទៅស្រែកទៅហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនេះគឺអត់មានចាប់ចងឬធ្វើទោសទុកទោសដល់ជនណាម្នាក់ទេនៅឃុំស្រែរំនងឆ្នាំ1978Très bien, mais ici j'ai cité un certain nombre de rapports d'autres communes. Alors,
Il y avait d'abord la commune de Chengtong, c'était un rapport du 30 avril 1977. La commune de Tapem, un rapport du 28 avril 1977. Commune de Popel, 4 mai 1977. Commune de Ninyang, 18 avril. Pas d'année qui est mentionnée. Et donc, ce sont des rapports établis par différentes communes à la même période. À cette période-là, vous avez dit que vous étiez toujours à la commune de Ningyang. Et là, tout de suite, vous nous avez dit que tout cela avait eu lieu une fois que vous étiez parti de la commune de Ningyang. Est-ce que lorsque vous étiez encore à la commune et avant d'arriver à Srebrenica, vous avez entendu parler du fait qu'on nettoyait les ennemis qui étaient dégradés dans l'armée de l'honneur? ថុំនៃរបបលន់នល់ទេពេលដែលដល់ស្រែអនុងបាទសរសេរនៅញញងមានប៉ុន្តែកាលនោះខ្ញុំមានមេឃុំឯងសូមជម្រាបខ្ញុំជាសេដ្ឋកិច្ចឃុំមេឃុំឈ្មោះផ្សេងកិច្ចការវៃវៈផងតាពួងគេអត់ប្រាប់អ្នកនៅមន្ទីរទេគេធ្វើតែការងារគេ Est-ce que le terme nettoyage a souvent été utilisé lors de réunions et que voulait-il dire à l'époque des Khmer rouge? ແລະដែលມັນស្មោះត្រង់នឹងបកអញ្ចឹងគេត្រូវបោះសម្អាតចេញពីក្នុងជួរទោះបីតែមេឃុំក្តីសមាជិកក្តីមេភូមិក្តីក៏តែងតែមានការបោះសម្អាតដូចតែគ្នាចំពោះខ្លួនខ្ញុំមានការប្រួយបារម្ភដែរអញ្ចឹងខិតខំធ្វើការមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូចប្រជាជនដទៃដែរ Pour être tout à fait clair, quand vous dites balayer proprement, nettoyer, ça voulait dire purger les rangs. Est-ce que cela voulait dire que ces personnes étaient éliminées? Et savez-vous, une fois qu'elles étaient arrêtées, quel était leur sort? Est-ce qu'on les revoyait par la suite? Je voudrais citer, sans vous remettre de documents, simplement le témoin de TCW 860, dans son procès verbal d'audition E3-55-11, à la réponse 9, il a dit ce qui suit. Simplement pour donner le contexte, c'était le chef adjoint d'un hôpital du district de Tramkak. Donc à la réponse 9, il a décrit une assemblée de district durant laquelle les cadres étaient informés d'une catégorie de personnes qu'il fallait juger. Il a dit ceci, je cite, les habitants qu'on a décidé d'exécuter faisaient partie de l'armée, à partir de ceux qui avaient le grade d'adjudant.
Quant à ceux qui ont travaillé dans l'administration, à partir du poste du 1er adjoint, ils devaient être exécutés. Fin de citation. Donc vous dites que la purge de Asrei Ronan dans cette commune avait déjà été faite lorsque vous y êtes arrivé. Est-ce que vous-même, vous avez assisté à une assemblée de district où on a déterminé quelle catégorie de personnes parmi les anciens militaires et fonctionnaires de l'ONOL devaient être purgés? Tout à l'heure, vous avez parlé d'une assemblée au niveau du secteur 13 qui avait été présidée par Tassom. En quelle année Tassom a-t-il présidé une de ces assemblées à laquelle vous avez assisté? Est-ce que c'était chaque fois Tassom qui présidait ces réunions? Tant en 1977 qu'en 1977. Tout à l'heure, vous nous avez dit que Tassom avait plusieurs successeurs, dont Taprak et Tara. Est-ce que vous confirmez que Tassom était présent à ces deux assemblées ou bien était-ce l'une d'entre elles? Est-ce que quelqu'un a remplacé Taron après qu'il y ait eu cet accident? Bon, je vais en rester là, je comprends bien au niveau des dates que c'est compliqué de se souvenir 30 ou 40 ans après. Je voudrais revenir aux personnes qui critiquaient ou qui s'opposaient à l'ANCA dans les communes de Ningyang et de Sri Ronan. Et pour rappel, vous avez dit ceci à la réponse 30 de votre procès-verbal E3/5521. Vous avez dit les gens qui n'étaient pas en accord ou qui ont exprimé une opposition quelconque ont été envoyés suivre les sessions d'instruction. Et tous ces gens en question, on ne les a jamais vus revenir. Avant la pause,
Je voudrais remettre au témoin et faire afficher un document à l'écran. Il s'agit du document E3-4098. Avec votre autorisation, Monsieur le Président. Alors, les IRN en Khmer 0027-1030-3 en anglais 0032. 1-4-1-5 et en français 0-0-6-2-3-8-3-7-3-8. Il s'agit d'un rapport daté du 4 août 1976 envoyé au parti du district par Anne, le directeur de Krang Kachan, au sujet d'aveux de prisonniers. Ce rapport discute notamment le cas d'un prisonnier de la commune de Nying Nyong, appelé Thorn T-O-A-N, T-E-A-N. Dans ce rapport, on peut voir qu'il a émis des critiques. Il aurait manqué le respect au régime durant une réunion de la commune et qu'il aurait été invité par des collègues à fuir en Thaïlande. Dans le coin gauche, en haut de ce rapport, figure une annotation qui dit ceci, je cite, après l'interrogatoire, il faut exécuter. Fin de citation. Connaissez-vous cette personne dénommée Thorn Thien, qui, avant le régime du Kampuchea démocratique, travaillait comme vendeur de médicaments dans une pharmacie dans le village de Rousseysrop, dans la commune de Nying Nyong? អត់បានស្គាល់ទេតនទៀននេះប៉ុន្តែ Est-ce qu'à l'exemple de ce Thorn Thien, dont il est dit qu'il a émis des critiques, ou ce qui était interprété comme un manque de respect envers le régime, est-ce que donc quelques critiques étaient suffisantes pour justifier une arrestation dans une commune et puis une exécution par la suite? Est-ce que donc quelques critiques étaient suffisantes hay cho tới samlap che daem tới pe kraoy ba chompo ka rikkon ni sak sai ma ton chloi tom som jeung luk bater ko pe Yes, I object to this question. First of all, the witness doesn't know the document. Secondly, there's a lot of speculation in this answer that these people were executed for nothing. I think the questions posed by the prosecution should not be leading and should be based on the knowledge of this particular witness. So I object to this particular line of question. Monsieur le Président, je voudrais répondre étant donné que j'ai cité ce que le témoin avait dit concernant les gens qui avaient exprimé une opposition quelconque, qui n'était pas en accord, et il a dit qu'ils étaient envoyés suivre des sessions d'instruction, qu'on ne les voyait pas revenir. Bon, je pense qu'il est légitime de demander si, à l'image de la personne dont l'histoire figure sur ce document, les critiques adressées
le système, le régime suffisait pour pouvoir être arrêté ou exécuté dans la commune qu'il faisait partie. ដែលគាត់ធ្វើការនឹងលោកវិធានក្រន្តចង់សួរប៉ុណ្ណឹងទេក្រន្តរិះគន់ប៉ុណ្ណឹងជាការគ្រប់គ្រាន់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអង្គជំរះប៉ារ៉ាសៃតនៅក្នុងចំទាស់របស់វិទ្យាការពារក្តីនួនជាចំពោះសំណួរនេះហើយអង្គជំរះត្រូវការស្ដាប់ទៅចម្លើយតបរបស់សាស្ត្រីចំពោះសំណួរដែលសួរចុងក្រោយដោយមានដោយសាស្ត្រាចារ្យអន្តរជាតិសាស្ត្រីចំឆ្លើយតបនឹងសំណួរចុងក្រោយនេះ ខ្លេចបាទសូមជំរាបដោយច្រឡំភ្លេចប្លង់បាត់សំណួរសំណួរសំណួររងអន្តរជាតិសូមតាំងសំណួរជាថ្មីម្ដងទៀត Oui, Monsieur le Président. Je voulais vous demander, Monsieur le Témoin, si critiquer le régime ou ce qui était interprété comme lui manquer de respect était suffisant pour être arrêté et exécuté ensuite dans la commune de Nieng Nieng ou dans toute autre commune de Tram Kok dont vous avez connaissance. តាមគាត់ដែលលោកស្គាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចង់សួរថាតើគ្រាន់តែរិះគន់ហ្នឹងឬក៏គេគាត់បកស្រាយថាយើងរិះគន់ហ្នឹងជាការគ្រប់គ្រាន់ឬក៏យ៉ាងម៉េចយកដើម្បីចាប់យើងយកទៅសម្លាប់ចោលបាទរឿងនេះខ្ញុំមិនបានទទួលដឹងទេព្រោះជារឿងខុំផ្សេងខ្ញុំអត់នៅខុំញញងទេកាលជំនាន់ហ្នឹងគឺខាងមីខុំញញងផ្សេង ដែលគេសម្រេចថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាខ្ញុំមិនបានដឹងហើយក៏មិនបានយល់ដែរក្នុងសំណួរនេះសូមអរគុណបាទអរគុណសាស្ត្រីរិញ្ញារងឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអរគុណប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3នឹងប្រាំនាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការសូមរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាស្ត្រីនិងអ្នកជំនាញដល់សាស្ត្រី រូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សារបស់គាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3:05 នាទីសម្រាប់ចុះសូមជើងក្រោកឈរ